Eureka! Nous allons voir ensemble comment poncer un meuble. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. D'une serviette éponge, de bâches, de lunettes, d'un masque et de gants de protection, d'une ponceuse électrique, d'une ponceuse d'angle, de papier abrasif grain moyen et fin, d'une rallonge électrique, d'une cale à poncer et d'un chiffon. Première étape, préparez votre environnement de travail. La poussière de bois est très fine. C'est pourquoi il est indispensable de recouvrir vos meubles d'un film polyane, de vieux draps ou de bâches. Calfeutrez également les rainures de porte avec un chiffon ou une serviette éponge. Pensez à ouvrir les fenêtres. Enfin, avant de poncer un meuble, protégez vos yeux, vos mains et votre visage de la poussière de bois à l'aide d'un masque, de gants et de lunettes de protection. Étape 2. Premier cas de figure, poncez le meuble avec une ponceuse électrique. Placez sur le sabot de la ponceuse électrique une feuille de papier abrasif grain moyen. Raccordez la ponceuse à une rallonge électrique de 5 ou 10 mètres de façon à pouvoir poncer le meuble tout en tournant autour. Allumez la ponceuse, poncez les espaces difficiles d'accès avec la ponceuse d'angle et poncez l'ensemble du meuble avec une ponceuse électrique en suivant les veines du bois de façon à ne pas l'abîmer. Changez ensuite la feuille de papier abrasif grain moyen par une feuille de papier abrasif grain fin. Poncez de nouveau le meuble en procédant de la même manière. Deuxième cas de figure, poncez le meuble manuellement. Poncez le meuble avec du papier abrasif grain moyen et grain fin à l'aide d'une cale à poncer. Effectuez toujours le ponçage dans le sens des veines du bois. Dernière étape, procédez aux finitions. Passez un chiffon légèrement humide pour enlever les résidus de poussière restés sur le meuble. Passez ensuite un chiffon doux et non pelucheux sur le meuble. Et voilà, votre meuble est prêt à être repeint ou verni. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.